Bonjour la team Neft. Aujourd'hui, quand j'ai démarré mon iPod Touch 4e génération, il m'est arrivé un truc bizarre. Vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo, mais vous le savez déjà parce que vous avez lu le titre. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Bon, là vous voyez, quand je clique n'importe où, là, Jeudi 12 avril. il se met Touchez deux fois apparaît. l'écran rapidement pour ouvrir. Photo. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Dossier course. Un nouvel élément. 10 apps. Bizarre, il QTAPP Regular parle. version. Safari. Safari. Après, j'ai remarqué que pour ouvrir Touchez un deux fois truc, il l'écran fallait rapidement pour ouvrir. Plan. cliquer, puis après Touchez deux cliquer fois deux l'écran. fois. Mais bon, Bouton je sais pas principal. pourquoi Plan. il parle tout seul. Calendrier. Je vais déjà essayer d'aller voir dans les réglages. Mais il parle tout seul. Réglage. Réglage en tête. Réglage en tête. Luminosité. Luminosité et fond d'écran. Réglage. Il parle tout seul. Réglage en tête. Réglage en tête. Je sais pas ce qu'il fait là. Bouton principal. Réglage. Panique, panique. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Page 2 sur 2. Ajustable. Espace. Écran d'accueil. Bon, d'accord, c'était un fake. C'est seulement le voice-over qui est actif. Et si vous voulez voir comment la désactiver, j'ai fait une autre vidéo. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Laisse un pouce bleu, abonne-toi, partage la chaîne, mets-moi un commentaire. À plus dans une prochaine vidéo. Ciao!